بسم الله الرحمن الرحيم السميع علي من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين وسحبه المنتجبين الشيخ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نسمع أنك دون الكادر لانسيمة الدعم الإسلامي كا مشيخ خدوسة نزتيان Le fait que les autres ont essayé de poser comme euh, problématique sur la question de l'imamat et la question des douze imams après le prophète Mohammed, et nous avons essayé de répondre à certaines questions concernant les écoles qui se sont créées au sein du chiisme et qui ne sont pas aussi des écoles aussi très solides et fiables, qui se sont créées à partir des doutes et dans toute une société et cela est tout à fait naturel mais nous avons essayé de dire que lorsqu'on parle de l'école euh, zaydi zaydite donc vous allez trouver que euh, l'imam après que la, le martyr d'imam Sajjad Ali ibn Hussein euh, vous allez trouver que l'imam Baqir est venu comme étant bien le successeur de l'imam euh, Sajjad et vous, euh, entre temps il y a Zayd qui était là et le Zayd a été et qui, qui a été dans le temps de l'imam Baqir aussi, et jusqu'à l'imam enfin, Sadiq, dans la réalité. Et puis l'imam Baqir aussi, effectivement, vous allez trouver qu'il euh, y a eu cet espace-là. Mais lorsqu'on parle des imams lorsqu'on parle des de Zaidiens, ils croient réellement que l'imam s'est limité à l'imam Zaïd, Zaïd réellement, euh, qui, qui, est, qui est décédé avant l'imam Sadiq. Donc en réalité, lorsque vous essayez de faire cette étude des cas, et vous allez trouver que en réalité, Zayda euh, ne peut pas être réellement l'imam euh, ou le dernier imam, l'imam du temps, parce que lui-même il n'a pas annoncé son imam et ça fait partie de des signes de l'imam que l'imam lui-même annonce son imam, que les gens ne puissent pas l'annoncer et réellement il n'a pas annoncé. C'est après lui que c'est cela a été annoncé. Il s'est levé parce que ça fait partie des conditions de l'imam chez les zaydites comme étant bien. L'imam doit essayer de faire une révolution contre les tyrans et effectivement Zayd a fait la révolution et après mais c'est la question qui se pose après le, le martyr d'Imam Sadiq eh, Zayd n'a pas fait la révolution c'est jusqu'à eh, après Imam Baqir qu'il a pu faire la révolution et cette révolution entre-temps eh, parce que ça fait partie des conditions de l'imamat chez les zaïdites cette révolution entre-temps la révolution ne s'est pas déroulée donc son imam n'était pas encore validé dans en réalité comme si la terre était restée sans imam. Donc, c'est tout à fait, ça n'a rien à voir avec l'enseignement chiite. Nous avons dit qu'un imam, la terre ne doit pas être vacante de l'imam, que ce soit un imam visible hein, ou un imam caché. Donc, en réalité, sur ce qui s'est passé concernant... Zaïdia. Zaïdia, nous avons parlé de cela, nous avons parlé aussi des Ismaïli qui est tout à fait clair, lui-même, il n'a pas annoncé aussi sa, son imamah ou aussi ça ne va pas en harmonie avec l'enseignement prophétique le parlant des douze imams après lui, parce que chez les ismaïlites, l'imamant se limite seulement quand l'imam est Ismaïl. Donc en réalité, lorsque vous essayez de voir cela, ça contredit réellement le test islamique. Et aussi, Ismaïl n'était pas le successeur d'Imam Sadiq, il était réellement. Il est décédé avant Imam, soit alayhi Salam. Donc, en réalité, lorsque vous essayez de voir, vous allez essayer de, de dire tout de suite que, par déduction, que Zayd n'était pas Imam, puisque l'Imam lui-même l'a enterré avant qu'il soit lui-même martyrisé. Donc, mes chers frères et sœurs, c'est tout à fait correct que lorsqu'on parle de, de, de Ismailia, que ce n'est pas aussi, et aussi, même si aujourd'hui, dans une forme, dans une autre forme, l'école existe. Mais ce n'est pas la forme chiite et les enseignements islamiques réellement concernant euh, Ismaïl. Il y a aussi, euh, quand nous avons essayé de faire le al-Fatihiyya, donc euh, Abdullah et que nous essayé de dire aussi, que Abdullah et qui était l'un des, 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 des enfants de l'imam Sadiq, donc ils ont essayé de dire que lui aussi, il était imam, qui a posé réellement un problème réellement, entre imam Al Kazim et Abdullah Ibn Fattah. Et la communauté, réellement, ne s'est pas retrouvée. Et ça a créé réellement de malheur et entre euh, les, la communauté, les, les membres de cette communauté, c'est-à-dire la communauté chiite concernant l'imam Al-Kazim, mais mal heureusement que les gens ont compris après que qu'ils étaient dans le royaume. Ce n'est pas seulement l'imam Al-Kazim euh, que cela s'est déroulé, même aussi réellement l'imam Rida. Lorsqu'on parle aussi de l'imam Reda, dans la succession aussi de l'imam Reda, le problème s'est posé aussi concernant cet imam, mais après les gens ont compris, il n'y a pas existé encore. De, de, de ces, ces écoles-là après euh, l'imam Rida alayhi salam et réellement l'imam n'a pas posé de problème mais le problème posé qui n'a pas créé aussi réellement d'école mais seulement que les gens ne comprenaient pas ces situations qu'un imam soit euh, l'imam soit quelqu'un qui n'a pas atteint l'âge de la puberté je vais parler de l'imam de l'imam al-Jawad ça a posé des problèmes mais le problème a été réglé parce que l'imam d'abord il se distingue d'abord par son comportement et sa biographie l'annonce de son imam ou aussi, réellement, sont sa science. Parce que la science qui est héritée, c'est une science directement enseignée par Allah subhanahu wa ta'ala et divin héritier du prophète Mohammed Donc, ils sont infaillibles. Donc, lorsqu'ils parlent dans les sciences, et vous pouvez trouver réellement. Et les gens arrivaient aussi, si je peux m'exprimer ainsi, à mieux connaître les imams à travers les sciences qu'ils déclaraient et à leur communauté. Donc, mes chers frères c'est tout à fait clair lorsqu'on parle de ces éléments. Mais ce que nous avons parlé de tous ces éléments, c'était pour dire que les douze imams existent, même si avec l'existence de ces écoles, ça ne met pas en cause l'existence des douze imams. Donc, vous voyez, c'est ce que nous avons, nous avons essayé de dire à travers cette explication. La création des écoles et des groupes chiites au sein de la communauté chiite, cela a posé problème, il faut le dire, mais le problème a été résolu. Et aujourd'hui, Alhamdulillah, nous avons les Zaydites, bien sûr. Les Zaydites existent, mais Zayd ne s'est pas lui-même autoproclamé, étant bien l'imam, parce que ça pose problème. C'est ce que nous avons dit entre Imam, imam Sajjad. Et aussi le manti et la révolution des, des aides, cela a posé réellement un problème. C'est comme si la terre était restée vacante sans aucun imam. Donc, mes chers frères et soeurs, vous pouvez comprendre réellement que ça a été des erreurs de parcours par certains membres de la communauté. Et il y en a qui se sont rébellés et, et tout ça, mais en réalité, l'imam, réellement, vous voyez, c'est comme si la forme de la prophétie, lorsque quelqu'un, un prophète, annonce, quelle que soit sa biographie, même si sa biographie est bien construite, est une biographie fiable, mais lorsqu'il annonce la prophétie, ça pose des problèmes. Donc, l'imam aussi, c'est tout à fait clair que ça peut poser des problèmes, mes chers frères et soeurs, mais ce problème a été résolu. Et au fur et à mesure de l'évolution euh, dans le temps et dans l'espace de l'histoire, lorsque vous essayez de faire une étude claire sur ces points-là, donc, mes chers frères et sœurs, c'est tout à fait clair que les douze imams existent. Ce que nous voulons parler ici, mes chers professeurs, c'est concernant la naissance effectivement de l'imam du douzième imam. Parce qu'il y a le problème qui se pose encore, que l'autre a essayé de nous poser comme étant un équivoque, comme étant problématique, c'est la naissance du douzième imam. Il y en a qui disent que non, l'imam douzième imam, il n'est pas né, il n'a pas été. Oui, on parle réellement de ces histoires lorsque nous rentrons dans le cadre concernant ces, ces écoles. Ils ont essayé de poser ces problématiques concernant ces sujets et les douze imams. Et nous avons essayé de répondre à ces problématiques, à ces questions qui se posaient réellement. Ils ont essayé de mettre le doute réellement dans le rang des musulmans. Et c'est ce qui est réellement, euh, le, la chose réellement qu'ils connaissent, c'est de créer ce doute-là chaque fois euh, quand on a la réalité devant nous. Donc, il y a aussi ces doutes qui ont été créés sur cette question lorsqu'on parle de la naissance d'imam du, du temps, imam Soheb Zaman, sa naissance. Aussi, encore là, le doute a été créé parce que lorsque vous regardez la naissance d'imam imam, 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 imam sahib Zaman, imam Mahdi et Allah ta'ala sharif, vous allez trouver que cette naissance s'est effectuée mes chers frères et soeurs, de façon miraculeuse. Donc s'il y a le miracle réellement, qu'on peut avoir réellement aussi des doutes, mais les autres, l'ennemi a essayé de, de consolider, de fortifier ce doute-là dans le rang et dans le dans la tête des musulmans. Donc, en réalité, il y a eu la naissance. La naissance. Pour dire qu'il y a eu la naissance, il y a d'autres preuves que nous pouvons essayer de poser. La première des preuves, preuve réellement, c'est le fait que l'Imam Hassan al-Askari, l'Imam Hassan al-Askari, le 11e Imam chiite, que lui-même puisse annoncer la naissance du 12e Imam. Cela est très important, mes chers sœurs, que le père vienne annoncer la naissance du 12e Imam. C'est très important que nous puissions réellement aussi discuter sur cette question. Et il y a aussi, aussi les témoignages de celui-là même qui a pu euh, aider la mère d'Imam Zaman à, à mettre euh, au monde euh, réellement Imam du temps, à donner cette naissance aussi miraculeuse. C'était réellement aussi euh, cette femme, femme qui a pu réellement essayer de, de, de la fille, la fille imam Jawad qui était d'abord euh, euh, la tante de Imam Hassan al-Askari. C'est ce, celle-là qui a aidé la mère de imam, imam Mahdi à, mettre, euh, à donner la naissance de l'Imam Mahdi. Et effectivement, lorsqu'on regarde dans ce cadre-là. Donc, en réalité, lorsque vous essayez de voir. Et il n'y a pas de discussion en cela lorsqu'on parle de cela. Le père dit que j'ai eu un enfant et aussi encore, de l'autre côté, sa, sa tante dit que j'ai été témoin de la naissance de cet enfant, c'est-à-dire la fille d'Imam Jawad. Et aussi encore, il a même demandé hein, à ses représentants, effectivement, de célébrer le baptême de ce dernier de l'imam du de dernier imam, Imam al Mahdi alayhi salam, ou Ajjallahu ta'ala Farajahu Sharif. Cela est un témoignage tout à fait clair lorsque vous essayez de prendre dans les hadiths, dans les preuves. N'essayez pas de discuter aussi dans le vent, mais il faut essayer de regarder est-ce que réellement il a dit ou pas. Donc en réalité, vous parlez aussi après le martyr d'Imam imam al Hassan al-Askari, vous pouvez voir que dans dans la prière mortière, parce que ça fait partie de la tradition des imams, c'est un imam qui prie sur l'imam et c'est pour cette raison vous allez trouver que euh, après le, 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 le décès du prophète Muhammad c'est l'imam Ali qui a pu prier sur le, euh, le prophète Mohammed et imam Hassan aussi imam Hassan jusqu'à imam Hassan jusqu askari Lorsque les gens se sont présentés, l'enfant s'est présenté à l'âge bien que je crois bien de de, 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 de quelques jours, de sa naissance de 6 ans ou 5 ans, qui s'est et pour prier sur son père, et c'est ce qui est la tradition réelle des imams. Donc, mes chers frères, cela s'est passé, et il y a eu des discussions à ce sujet-là. Il y a aussi la succession des représentants aussi de l'imam du temps dans la communauté. Nous avons dit tantôt que si vous vous rappelez que eh, dans l'occultation minière qui, 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 qui a mis temps, eh, qui, qui a pris la durée de 70 ans, donc mes chers professeurs, les, 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 les successeurs ou les représentants de cet imam-là se sont euh, succédés l'un après l'autre et nous avons donné, mes chers professeurs, le nom. De l'autre côté, et ce sont eux, ils ont témoigné réellement que l'existence de l'imam. Donc, mes cher, chers frères et il n'y a pas aussi de doute concernant cette question. Lorsqu'on parle de la naissance de l'imam du temps, parce que le père lui-même, il témoigne, il dit, il annonce la naissance de son fils, et aussi, sa tante aussi dit que j'ai aidé réellement. Euh, Nardiez Nar lorsqu'elle a voulu accoucher, l'imam du temps, imam Mahdi j'étais témoin. Et il y a aussi la, la présence aussi de, qu'on en vient de dire, des de représentants de l'imam dans la communauté et qui s'est passé. Donc, mes chers sœurs, lorsqu'il y a ces questions. On devrait se poser cette question. Parce qu il qu'il y a ce problème là La question est est-ce que le père lui-même il a confirmé Le père il a confirmé. Pas seulement le père. Il y en a aussi des personnes qui l'ont vu quand il était en vie effectivement. Donc, il est important, mes chers frères et sœurs, qu'on puisse réellement parler de cela. Et les gens ont essayé de dire aussi concernant son baptême a été estifère effectivement. Lorsqu'on parle de ce baptême, ou aussi la succession ou aussi les, les, le martyre de ses successeurs et aussi ses représentants dans la communauté. Et C'est pour ce moment, mes chers messieurs, ça a été fait. Et aussi, lorsqu'on regarde tous ces éléments, on met tous ces éléments ensemble, nous ne pouvons pas aussi contester aussi très vite et tout de suite la naissance de cet imam. L'imam est rentré dans l'occultation par la grâce d'Allah wa ala, parce que lorsque vous regardez... Hein, lorsque vous regardez ces représentants, vous allez trouver que la majeure partie de ces représentants de la communauté ont été assassinés, exterminés, martysiés. Donc, mes chers professeurs, c'est tout à fait clair que Dieu puisse réellement le faire, rentrer dans l'occultation pour qu'il puisse les sauver et pour les préparer réellement pour ce grand jour. Et lorsqu'il apparaîtra, Inshallah aussi très proche, et il va venir instaurer cette justice et l'équité entre les êtres humains. Mes chers frères et c'est tout à fait clair lorsqu'on parle de la naissance du e imam, il faut qu'il y ait un imam d'abord. Et c'est l'enseignement chiite, la, la terre ne peut pas être vacante, réellement, mes chers frères et sœurs, de l'imam. Donc l'imam du temps, il est, il est né, donc il, il suit né C'est ce qu'on a dit, que le, la terre ne peut pas être vacante d'imam, que ce soit un imam aussi clair, visible, et un imam aussi caché et que les gens ne puissent pas le connaître. Donc, mes chers présidents, c'est tout à fait clair. Lorsqu'on parle de l'imamah, de tout ça. Mais les autres ont essayé de mettre ce doute dans la tête des musulmans pour dire que non, c'est une chose inventée par les chiites. L'imam Mahdi n'est pas né. Et seulement, je vous dis que ce n'est pas seulement que les chiites parlent de cette naissance. Il y a d'autres personnes aussi qui parlent de cette naissance. Il y a aussi des savants qui ont, fait, qui ont confirmé la naissance d'imam Mahdi. Et réellement, mes chers frères et soeurs, donc, lorsque vous essayez de mettre et une étude des cas chez les savants, vous allez trouver qu'il y a plus de 20 savants renommés qui ont accepté la naissance d'imam Mahdi, que ces savants ne soient pas aussi, et qui sont aussi des savants sunnites ou aussi des savants chiites. Ça fait partie de l'enseignement chiite que l'imam du temps doit être parmi nous. On le voit, soit on ne le reconnaît pas. Soit ils nous voient, on ne les voit pas. Donc, c'est un secret divin, comme nous l'avons dit. Et ce secret-là demeure réellement pour Allah, dans le cadre de protéger l'imam de tous ces mal mains malsaines qui veulent exterminer en fini avec les musulmans. Donc, en réalité, c'est un secret de Dieu que nous ne pouvons pas dévoiler la cause réelle de cette occultation. Oui, nous pouvons connaître, c'est un. Éléments, hein, avec lorsqu'on on essaie de mettre les hadiths et les autres ensemble, mais lorsqu'on veut essayer de décortiquer, de connaître mieux la philosophie et la sagesse qui s'y trouve, mes chers frères et sœurs, on ne peut pas connaître réellement cette sagesse-là. Et c'est une fierté d'ailleurs pour les chiites que l'imam soit né et aussi qu'il soit caché pour réellement nous éprouver. Et cette épreuve n'est rien d'autre que réellement, mes chers frères et sœurs, accroître notre foi en Dieu et aussi de continuer eh, de faire des bénédictions continuellement pour son apparition. Si les bénédictions sont faites continuellement pour son apparition, mes chers frères et sœurs, et cela est bénéfique d'abord pour nous, ça devient une adoration et nous allons beaucoup bénéficier réellement hein, de ces mérites-là. Mais aussi de l'autre côté aussi, lui-même, il prie aussi pour nous. Il est témoin de tout ce que nous faisons. Et il est obligé, mes chers professeurs, c'est une obligation que l'Imam soit parmi nous. Hein? Pas une obligation sur, sur Allah, subhanahu wa mais une obligation lui-même qui a pu instaurer euh, sur nous que la communauté, cette communauté, la terre ne soit pas aussi vacante. Et je vous ai dit, s'il n'était que la présence de la preuve de Dieu, la preuve de Dieu, je parle ici de l'Imam, s'il n'était que la présence de la preuve de Dieu et l'Imam... Et la terre allait s'écrouler avec nous, et la terre allait se renverser sur nous. Parce que tous les actes que nous posons sur cette terre, ce sont des actes similaires aujourd'hui. Lorsqu'on regarde des actes similaires que les gens de l'autre ont pu poser, aussi les gens de, 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 de nous ont pu poser, que Allah Subhanahu wa Ta'ala a fait abattre le châtiment sur eux et les exterminer. Soit la terre s'est renversée, ou soit ils ont été exterminés par la mer, comme on l'a vu avec le cas de Noé, et de l'autre côté avec le cas de l'autre. Donc, mes chers frères et sœurs, c'est tout à fait clair, il n'y a point de doute sur cette question parlant réellement de l'existence d'un imam et l'imam du temps. Donc mes chers frères et soeurs, tout ce que tu pour dire que non, la naissance n'a pas été faite. S'il est né, il est où? Ce n'est pas la question. Imam il est né, il est dans la dans l'occultation et l'occultation il est possible aujourd'hui. On parle de l'occultation des Khidr, Une bonne partie des musulmans acceptent l'occultation des Khidr. Aujourd'hui nous ne voyons pas Isa alayhi salam. Une bonne partie aussi accepte aussi que le feu a été envoyé au quatrième siècle. Il y a aussi d'autres personnes. Quand on ne les voit pas, mes chers frères et sœurs, mais qui existent, qui n'ont pas connu la mort, qui existent aussi, on parle et etc. Donc, mes chers frères et sœurs, c'est tout à fait clair que nous puissions parler de la naissance d'Imam al-Mahdi et jusqu'à aujourd'hui, il est avec nous et que le Seigneur nous garde, qu'il fasse de nous, musulmans, sincères et puis Et mes chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa <music>